Lévez ma mère, cher diacre, religieux, religieuse, Père les mains, vénables partout, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Et bonne fête, Sainte Thérèse. Et où sommes-nous ici rassemblés en ce cinquième dimanche du temps ordinaire en épée pour rendre grâce à Dieu pour le multiple merveilleux qu'il ne cesse d'accomplir au milieu de son peuple saint. Aujourd'hui, la communauté marialaise célèbre la solennité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne. Tout en méditant sur ce thème, tant que Sainte Thérèse, en nous vivre dans prudence et humilité pour ta héritier royal ciel là. Ensemble, ainsi, la liturgie de cette noble occasion nous invite à nous faire petits comme les petits enfants qui sont dans une large mesure dépourvus d'ambition, de fierté et de hauteur. Mais ils sont humbles et aptes à enseigner. Tout au long de ce grand banquet d'amour qui nous rassemble autour de la table du Christ, prions les uns pour les autres, afin qu'enflammés de l'Esprit Saint, nous puissions remplir en toute humilité et en toute sagesse et en toute simplicité notre mission de chrétien à l'état de notre patronne, Sainte Thérèse. Bonne participation. Frère Maximio, on demande à mon Dieu, on demande à maître, pour bénir l'Ossa, nous allons nous faire nous avec. En souvenir, veille baptême nous. C'est pour mon Dieu, faire tremper fidèlement l'esprit à nous de recevoir. Mon Dieu, qui l'a depuis tout temps et qui gagne tout pouvoir. C'est vous-même qui te baille mon l'eau pour y sa vivre et pour y sa mort. Mais vous devez tout pour être capable de laver dans nous. Pour porter cadeau la vie qui va jamais finir pour nous. T'en prie, béni, glossa, pour le café nous recevoir force, nos besoins dans une salle qui a pas pourquoi. Avec glossa, fais jaillir en dedans nous encore fontaine faveur là, défends-nous contre tout mal, qui n'en a nous, qui n'a encore nous, pour nous approcher côté où, avec un cœur propre net et pour nous profiter net de la délivrance au bon moment par pouvoir Jésus-Christ grand maître nous. Amen. Thank you.
C'est pour bon Dieu, il y a tout pouvoir, il y a pitié pour nous. C'est pour pardonner les péchés nous, pour mener nous dans la vie qui va jamais finir. Thank you.
première lecture. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, dans son livre, au chapitre 66, du verset 10 jusqu'à la troisième partie du verset 14, nous invite à nous laisser aimer par Dieu comme un enfant par sa mère, en abandonnant nos inquiétudes, nos angoisses devant l'avenir, en ayant une totale confiance en Dieu. Écoutons. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez de l'allégresse, vous tous qui portez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'aide de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des ruisseaux que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même que le meilleur ruisseau de son enfant, moi-même, je vous consolerai, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront à genoux. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, Saint Paul, dans la première lettre, lui écrit mon Corinthien à Dino. Prêcher l'évangile, c'est pas un type de louange lié pour lui, mais c'est une obligation qui a nécessité. En écoutez-lui, dans chapitre 9, là, verset 16, et 19, plus verset 22 à 23. En écoutez-lui. Si m'a prêché l'évangile, c'est pas un petit courage lié pour moi.
C'est une nécessité qui tombe sur moi, ma dichon pour moi, si je ne prêcher. Si je fais ça avec bonne volonté, je recevrai une récompense, mais c'est une obligation, c'est un service, mon Dieu confie dans mon effet. Qui récompense, mais c'est que, en tant que prêcher l'évangile là, je ne vais pas l'évangile là sans pas chercher intérêt pour faire un abus pour pouvoir me gagner dans l'évangile là. C'est que, malgré mon livre par rapport à tout le monde, je vais tourner serviteur à tout le monde pour être capable de prendre tête à tout le monde. Je vais faire avec Sila qui fait mieux pour être capable de prendre tête à ce qui fait mieux. Je vais adapter à tout le monde pour être capable de sauver tout le monde. Je vais faire tout le bagage pour être l'évangile là pour être capable de jouer une portion par mon livre. Frère, avec ce mieux, parole de Meta qui vient du pouvoir. Amen.